Salut à tous, une vidéo complémentaire à celle que vous trouverez en descriptif, c'est-à-dire qu'après l'installation de la MX-16 en mode BIOS, lien dans le descriptif, je vais vous montrer l'installation de la MX-16 en mode UEFI et sa post-installation pour avoir le français de LibreOffice, Thunderbird et Firefox. Bref, comme d'habitude, vous trouverez dans le descriptif tout ce qui est lien et horodatage. On est parti. Et là, je passe en plein écran. Donc, c'est une précision, je pars d'une machine en UEFI avec un disque dur. Je ne pars pas d'un mode BIOS. Non. Je pars d'une machine en UEFI avec un disque dur et non pas avec un SSD. Si vous avez un SSD, jamais, jamais, jamais de partition swap sur un SSD. Jamais. Mais là, comme je vais partir d'une machine virtuelle avec un disque dur classique, je mettrai une partition swap. Voilà, maintenant vous êtes prévenus. D'ailleurs, je précise dans le descriptif, jamais de swap sur un SSD. Point barre. Donc là, par contre, il démarre en anglais. Je ne sais plus comment j'avais fait pour le faire démarrer en français, mais c'est juste pour la vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas super complexe. Là, c'est un peu long démarrage. Voilà. Bon. Là, je vais faire deux lignes de commande en français, enfin en terminal. Donc déjà, on va déjà mettre le clavier en français. Et là, je vais essayer de mettre le logiciel d'installation en anglais. Enfin, en français, pardon. Et zut. Voilà. J'espère au moins qu'il pourra bien me lancer l'installateur en français. Propriété. Ah d'accord, je l'ai. Voilà, donc ça normalement vous n'avez pas besoin de le faire, mais c'est juste pour vous montrer l'installation en français. Normalement, il devrait me lancer l'installateur en français. Non, il me l'a lancé en anglais. Bon, ben tant pis. Dommage, je pensais qu'il me l'aurait lancé en français. Il me lance en anglais, c'est pas bien grave. Donc j'expliquerai les grandes étapes pour l'installateur en. Donc là, blablabla. Donc je vais utiliser Jeopardy parce qu'il me faut un partitionnement spécifique. Là. Donc, on va commencer par créer une partition au format GPT, parce qu'on est en UEFI. On va créer une première partition qu'on va mettre de en FAT32 et de 512 mégas, qui sera la partition ESP. On va créer une partition route qu'on va mettre de 20 gigas. Là, si vous voulez une seule partition, c'est pas la peine. Voilà, partition route de 20 gigas. Je vais créer une partition home aussi. Partition swap. Par contre, si vous ne voulez pas de partition route, ben, soit une seule partition, vous ne voulez pas de partition home, vous commencez par créer la partition swap. Bien sûr, uniquement si vous êtes sur un disque dur. Et là, ce sera la partition home pour le reste. Donc, elle, on va lancer le formatage.
Je suis pas super confiant dans le partitionnement automatique pour l'installation en UEFI. Donc là, par contre, voilà, je vérifie qu'il a bien boot et ESP qui sont activés. Voilà. On est sûr et certain d'avoir la partition boot, enfin ESP, fonctionnelle. Donc, ça c'est terminé. On va choisir Custom Install, installation personnalisée. Voilà, donc partition Home. On va changer ça comme ça, on va mettre ça. C'est juste pour ordonner des noms, hein. Normalement, ça devrait le faire. Donc, ça va prendre à peu près 5-10 minutes. Je sais plus comment j'avais fait pour lancer en français. Bon, ben, c'est pas bien grave. Je vous le montre en anglais, mais comme l'installateur est assez simple à utilisation. Normalement, ça va être assez rapide. Jusqu'à 95%, il va prendre 5 bonnes minutes pour lui. Ça, c'est la joie de l'informatique. C'est qu'en 5 derniers pourcents d'action prennent 95% du temps. En clair, ça s'appelle les finitions. Donc, je vais laisser tout ça s'avancer tranquillement. Je reviens. Il n'y a pas grand-chose à dire, donc laissons-le travailler. En tout cas, c'est plus rapide que certaines distributions plus avancées sur le plan convivial. N'est-ce pas? Et normalement, il doit m'annoncer une demi-douzaine de mises à jour. 7, voilà. Donc c'est Thunderbird, c'est Firefox, c'est APT qui est mise à jour, comme dans la précédente vidéo, bien sûr. Voilà, vous avez APT, Firefox et MXDocs. Donc pas des trucs super lourd à mettre à jour. Et cette mise à jour pour une distribution sortie il y a à peu près 24 à 48 heures, c'est pas excessif, hein? Pas 24 à 48 heures. Donc en gros, comme j'enregistre cette vidéo le 15, je crois, le 16. Le 16. Elle est sortie le 14, le 13 ou 14, donc c'est pas excessif. Donc, c'est pas super excessif.
Donc, en gros, ça fait 5 minutes que l'installation est lancée. On est bientôt arrivé au terme. Joie non négligeable. Et voilà, on arrive au moment de choix, les 5 derniers pourcents qui prennent une éternité. Voilà. Sale bête. Eh bien, il m'a fait mentir. Donc, comme c'est précisé dans le descriptif, si ça sélectionne ESP par défaut pour les installations UEFI, c'est très bien. On n'y touche pas. Il peut être puissant, mais qu'est-ce qui est long à s'installer? Donc là, on va finir la configuration. Donc, on va mettre un. Voilà, un nom qui correspond à la machine. Là, par contre, on va changer pour le bon truc. Donc là, on va mettre FR Latin 9. Mais ça, après, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Voilà, donc bien sûr, je veux Europe-Paris. Bien sûr, si on a, ça c'est tout, pour vérifier, les services avancés, donc là, on va prendre l'affichage comme ça. Voilà. Et normalement, on va redémarrer. Enfin, il faut juste créer le compte utilisateur. C'est pour ça que j'ai passé le clavier en français. La preuve, j'appuie sur la touche A. Voilà. Et après, bien sûr, si on veut vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur, on affiche les mots de passe. Et normalement, on peut redémarrer. La prochaine étape, c'est le redémarrage. Et on croise les doigts pour que tout se soit bien passé. Voilà.
sent bon. Je dirais que ça sent bon. Me tromperais-je? Ah non, ça sent bon. Ça sent même très bon, je dirais. Ah. Donc là, notre ami l'IDM se charge. L'IDM assez rapide. Ouais, super! On a du français, ça démarre. Ouais, j'aime l'informatique quand ça fonctionne. Non, mais c'est-à-dire que les installations en UEFI, je suis pas super détendu avec. Voilà. Donc, on va attendre qu'ils nous annoncent la disponibilité des mises à jour. On va les faire faire. Ah, plus que 5, tiens. Bon. Pourquoi est-il passé de 5 à 7? Ah, peut-être que Firefox s'est mis à jour. Je vais recharger par sécurité. On n'est jamais trop prudent. Ça change rien au final pour la mise en place des traductions, mais je préfère autant vérifier. On n'est jamais trop prudent. Ah, je préfère. Non, c'est 7 maintenant. Et on passe à l'installation. Donc là, ça sera un peu long parce que il y a la partie MandDB que je crois qu'il est recompilé. Et MandDB est un ogre à faire recompiler. Et c'est une bouse monstrueuse en termes de consommation de ressources. Et après, on pourra passer à l'installation des traductions et à leur configuration. Vous voyez si c'est compliqué. Jouer des distributions aussi compliquées tout le temps. Voilà. Donc maintenant, on va passer par l'outil MXOutil, qui est très pratique. Même si c'est pas combien. Alors là, je vais commencer par virer Flash, parce que je n'en veux pas. Merci. Comme je n'utilise pas Deezer, qui est le seul
Service qui, à ma connaissance, utilise encore Flash. On va dans Package Installer. Voilà. On attend que ça se charge, bien sûr. On va dans Langage. Et il suffit de chercher ceci. French. Hop là. French Firefox. IceWeasel, c'est l'ancien nom, donc on n'utilise pas. Hello pour LibreOffice et Thunderbird. Et on installe. Voilà. Et comme ça, vous aurez les traductions installées. Il y a deux petites manipulations à faire, comme pour la précédente vidéo. Ah bon, attends déjà que ça se lance, que ça se charge et que ça s'installe. Voilà, comme ça, il va nous installer LibreOffice en français, Thunderbird en français. Par contre, si vous avez un truc pour Lightning, je suis preneur. Voilà. Donc, on va commencer par vérifier que LibreOffice est bien en français. Normalement, oui. J'aime l'informatique quand ça fonctionne. Voilà. Donc, LibreOffice 5.2.2. Ce qui n'est pas si mal que ça finalement. On va passer à Firefox. Donc je vous montre le truc. C'est très compliqué. Parce qu'il se démarre en anglais. En anglais, ils sont pas faits. Ça, c'est un petit voyou. Il démarre automatiquement en anglais. Donc là, par défaut, c'est la page de la MX Linux. Voilà. Donc, on va dans Extension. Tant qu'on y est, on va se protéger la vue. Voilà. Protégeons-nous la vue. On va dans Langage. On active le français. Et on redémarre. Nous avons un Firefox 50.1.0 en français. C'est beau quand ça fonctionne, l'informatique. Donc je vais voir, je vous prouve que Flash est aux abonnés absents. Sale bête. Donc je vais désinstaller Flash. Leur module. Je ne veux pas de Flash. Bah! C'est sympa à comprendre, je ne veux pas de flash. Donc, si on regarde, on va redémarrer. Ah, mais flash, j'en veux pas. C'est sympa à comprendre, je ne veux pas de flash. Donc, About Plugins. Qui m'énerve. Même désactivé, je n'en veux pas. Je ne veux pas de cette usine à failles de sécurité. Donc, Flash Manager. Donc là, on va passer par Synaptique pour lui dire que je vais en package installer peut-être que je n'en veux point. Donc on va chercher Flash. Adobe peut-être. Adobe Reader. On va chercher dans Flash, donc peut-être dans Network, peut-être. Non, c'est pas ça. Multimédia, peut-être. Media Center, Media Converter, Messaging. Graphique, peut-être.
Non. Bon, on va passer par Synaptique. Et on va virer Flash. Virons cette grouille de Flash. Ah ben je pensais qu'il était installé. Bon, ben, je vois pas. C'est peut-être une option. Bon, c'est pas bien grave. Je vais désactiver. On va sur YouTube. J'aurais préféré ne pas l'avoir activé, mais bon, ne pas l'avoir du tout, c'est aussi bien. Mais ça, c'est les choix des développeurs. Donc, on va prendre. N'importe laquelle, on s'en fout. Ah, tiens, on va prendre celui-là, tiens, pour rigoler un bon coup. Ouais, vous avez vu, c'est bien HTML 5. Nous sommes à Paducah, dans le Kentucky. Donc, on a bien du son. Pour Thunderbird, pour le traduire, c'est pas compliqué. Du tout. Par contre, Thunderbird est un peu long à démarrer. Donc, pour avoir au minimum l'interface en français. Par contre, Lightning, si vous l'avez en français, le truc pour l'avoir en français, je suis preneur. Voilà, langage activé. Et on redémarre Thunderbird. Voilà, on a Thunderbird en français, mis à part Lightning. Si vous avez un truc, je suis preneur. Dans les commentaires, bien sûr. Et on vérifie que toute installation est bien en français. Voilà. On peut lancer n'importe quel outil, maintenant il est en français. Shotwell, par exemple. Voilà, il est en français. Gimp, on va vérifier. Mais apparemment, je dirais que oui est en français. Voilà, bien en français. Donc on va mettre fenêtre unique. Voilà. La version 2.8.18, c'est ça? Voilà. Donc on fait quitter. Voilà, donc vous avez vu comment traduire la version UEFI en français. Là, on se déconnecte et on éteint. Donc modulo, l'installation qui est un peu chiante au niveau du partitionnement et Flash qu'on n'arrive pas complètement à virer, c'est super simple à utilisation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous, à la prochaine. Bye bye!